On est parti. Go. Quatre tours à effectuer, à vous de jouer. Bon voilà, le training est fini. Donc là, moi, ce que je vais vous proposer, c'est de m'accompagner du coup sur mon post-training, voilà, voir un petit peu ce que je prends en collation. Comme ça, ça va vous permettre de voir un petit peu et de vous informer un petit peu si vous avez des questions sur le moment présent. Donc, ma source de sucre, c'est quoi? C'est en fait un mélange de fruits secs que je vais prendre en fait en fonction de mes objectifs, que ce soit en prise de masse ou en sèche. On va changer un petit peu les apports, que ce soit en apport lipidique et apport, apport en glucides. On va changer un petit peu. Donc on a la chance d'avoir chez Gnergy une variété de composition post-training. Voilà, avec en fonction de vos objectifs. On va avoir training maintien, on va avoir objectif prise de masse et on va avoir objectif sèche. Et en fonction de ça, on aura justement une composition différente. Moi aujourd'hui j'ai fait la mienne, donc avec des petites pommes séchées, donc toujours avec des produits 100% bio, des graines de courge, voilà, pour tout ce qu'il y a de minéraux, les fibres, etc. Quelques oléagineux, pardon, et on va avoir aussi des bananes séchées. Donc toujours, et quelques boutons de chocolat, voilà, le cacao, de très très bonnes vertus sur l'aspect récupération également. Donc voilà, riche en fer également, donc c'est vraiment top. Et donc avec ceci, on aura justement une nouvelle protéine, donc du coup qu'on vient de rentrer chez Gnergy. Donc protéine bio bien sûr, donc avec une particularité aujourd'hui, donc toujours produit français, on va avoir justement la particularité de l'avoir sans lactose, donc vraiment idéal, donc issu justement de la laiterie française, donc voilà, de la protéine de lait bio, donc ça c'est très important, avec justement la particularité du sans lactose, donc très bon pour les digestions, voilà, ceux qui ont des problèmes de digestion, etc., très bonne pour les plein d'acides aminés, etc. Donc voilà, moi aujourd'hui j'ai choisi au cacao, donc ça c'est un goût personnel. Donc il y a une variété de saveurs, on va avoir donc du cacao, on va avoir de la fraise, on va avoir de la vanille, du nature, c'est vraiment à votre choix. Donc voilà, protéines, donc du coup que je mets dans mon shaker, une dose, donc pour du coup 25 grammes de protéines dans le shaker. Donc moi je l'ai choisi avec très peu de sucre, mais vraiment elle passe vraiment très bien. On va justement rajouter l'apport en sucre, donc voilà, du très bon sucre, fructose, etc., avec justement ces petits mélanges qui sont vraiment complets. Je vous conseille de la tester. Moi je vais finir mon shaker tranquillement, je vais aller prendre ma petite douche parce que le training a été vraiment intense, et je vous dis à très bientôt. Merci à tous.